Éteignez-moi ça tout de suite. Si la forêt se met à sentir la cuisine, on est cuit. Qui c'est celui-là? Lui? C'est Albrieux, le spécialiste des effets de foule. Il paraît qu'il a fait merveille au Nicaragua. On l'a obtenu à prix d'or. J'ai pleuré, je vous l'avoue, quand j'ai su que le colonel Octavio Prado Rote, ange gardien des libertés publiques, protecteur des affaires et bienfaiteur du commerce, daignerait venir en personne nous encourager en présence de nos vaillantes belles accordes. Quelle est la plus belle maison? C'est la grande maison où règne Don Guillermo Lloramore. Les serres pleines d'arbres verts qui viennent de tout l'univers. Les traces, les escaliers, la cave des contrebandiers. Les parquets en bois de rose de la maison des Anturios appartiennent à Lloramore, roi de la houille et du tungstène. Toutes vos finasseries, monsieur Morin, n'empêcheront pas la pression démographique de vous emporter tôt ou tard. Et je m'en félicite. J'admets difficilement ce pied que vous avez dans chaque camp. Nous souhaitons tous que le triomphe de la révolution coïncide avec votre propre déconfiture. Vos propos manquent de sel. Mais regardez donc. Les mines, mines d'étain et mines de charbon avec un peu de pétrole autour. Majoritaire partout. Les fruits, la banane en tête, comme banquier je prête au cultivateur et toujours comme banquier je récolte 3 milliards nets, sans pépins. La révolution, c'est une affaire, comme les autres. Le sucre, le fer, les millions, il a pour femme Marion. Le cœur de sa fille étincelle, c'est le seigneur de la ficelle. Le moment. Comment sont-elles? Chaque fois, vous me demandez pareil. Comment voulez-vous qu'elles soient? Les femmes. Les femmes, mon cher Gervasio, les femmes, je ne les comprends pas. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui sait tout, qui comprend tout, c'est bien vous. Les femmes, le dernier carré de l'imperméable, l'extrême triangle du mystère biologique. Monsieur Palmas, vous vivez trop dans les sinus. Le principal, c'est de lui donner aux femmes la frange d'inette à son bec. Les coups de patin dans le trottinant, quelquefois, ça fortifie le distributeur. Maintenant, bon sang, un peu de courage, elles ne vous boufferont pas. Mesdemoiselles, je vous le répète, nous en sommes en matière nucléaire à la phase simplificatrice, fatale et classique dans toutes les applications de la science. Le moment arrive toujours pour les aéroplanes de perdre leurs ailes et pour la télégraphie de perdre son fil. Hâte. La formule que vous avez devant les yeux... Masque-toi, amène-le sur sa droite. C'est du côté qui manque d'équilibre. Flemmard, il va se laisser plumer. Il fait pas le poids. Vas-y, Doré, regarde-le. Ne bloque pas, il va bouffer ce galeux. Vas-y, vas-y. Bâtard d'oiseau. Mes camarades et moi, nous brûlons. Nous brûlons de savoir si le dédoublement dont vous parlez si bien, ça reste dans la théorie ou si ça rentre dans la réalité. Voyons. Dans la réalité, dans la réalité. Grâce à la modulation électromagnétique, je suis en mesure de démultiplier toutes les cellules d'un corps solide quelconque. Comment? Mais voyons, c'est très simple. La bobine moule le courant.
Mou du verbe moudre? Un pinceau de molécules débouche à l'oreille de l'anode. Tout se passe comme avec un vulgaire iconoscope, sous réserve que mon récepteur fonctionne au radiocobalt. Iconoscope? Radiocobalt? L'ébranlement pulvérulent atteint les surfaces du corps dont nous voulons un second exemplaire. Ce second exemplaire surgit à mon gré sur tel ou tel point de l'espace, selon l'angle de la visée. C'est ainsi qu'à Hiroshima, il aurait fallu prévoir l'espace pour loger la ville. La ville? Quelle ville? Hiroshima. Hiroshima? Dans le cas, bien entendu, où l'on eût résolu non pas de détruire Hiroshima, les salauds, mais d'en faire une autre, la même. Fantastique! Fantastique non pas, puéril. Je suis parti du radar issu lui-même du tennis, lequel fut engendré par le miroir. Tac, j'envoie, je reçois, en un mot, je rime. Nous aimerions tant que vous nous montriez ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien dédoubler? Ça, mon collier. N'importe quoi, cette balle. Branché. Une réserve toutefois. Le second exemplaire ne tardera pas à se désintégrer. Dans combien de temps? Au maximum 56 heures. Et un être humain, dans les mêmes conditions, votre système pourrait le reproduire aussi? Rien ne s'y oppose. Il conviendrait toutefois que l'expérimentateur s'introduise dans l'objet de l'expérience. Et s'il s'agit d'une femme? Surtout s'il s'agit d'une femme. Les folles. Leurs questions toutefois répondent à mes propres soucis. Voyez-vous, Gervasio, ce qui manque à nos mouvements de gauche, c'est la force du souffle. C'est la chanson du cœur. Sans le souffle, sans la chaleur, sans ce qui chante, tout tombe. Mais avec le souffle, tout s'envole, tout monte. Conclusion, il faut que les déshérités trouvent leur Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, celle des cheveux courts? Cette bannière vivante, de mes mains, je la fabriquerai. Tavio! Tavio! Tu es là, Tavio? Bien sûr, je t'attends. Tu sais bien que je n'aime que toi. Quand? Je t'en supplie, dis-moi quand. C'est trop long. Vous me déchirez, mon enrageur. Ah, et tu me fais mal. C'est les mal. Il dit son nom quand il parle. Tavio! 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 Il est parti. Quand c'est donc que madame finira la folie? De plus en plus, madame, elle aurait mieux fait d'être ma fille. Si madame, elle était ma fille, je la renfermerais à triple tour pour l'empêcher de cavalcader. Laisse-moi. Fous-moi le camp. Il frise, signe de pluie. D'ailleurs, l'étoile Jupiter, elle a fait du sang dans la nuit. Dans trois jours, pleure qui voudra, le cavalier tombera. Il tombera. Va-t'en! Une jument qui veut courir trouve toujours un cavalier! Vampire! Abruti! Exigène! Chapeau melon! Je donne beaucoup de mal pour éloigner le personnel. Ton mari sait parfaitement que je suis avec toi. Un type comme ça, j'appelle ça un macro. Ah, 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 ah. Je ne m'y connais.
connais pas très bien en macro, mais entre vous deux, franchement, moi... Je suis le colonel Ottavio Pradorot, ministre de la guerre, directeur de l'intelligence militaire, intendant général des requêtes civiles, responsable de la surveillance du territoire, directeur de la police, enquêteur général des impôts, et surveillant du jardin public. Tout cela, je l'ai obtenu par mon mérite, par mon travail. Je ne suis pas comme vous tous, le fils de mon père. Je n'ai eu besoin de personne pour me mettre au monde. À 20 ans, chasseur dans un restaurant, je m'instruisais la nuit dans ma soupente, à la lueur d'un clairon. Vous deviez élastiquer beaucoup. Non, non, vous jure, je plantais la bougie. Et c'est un homme de cette trempe que vous traitez de macro. Octave, écoutez-moi, c'est très beau la soupente, le clairon. C'est très beau les guerres froides, les guerres chaudes, les guerres réchauffées, et même les guerres civiles. Comment ? Quoi ? Mais oui, c'est clair, si la République était couverte de canons, personne ne se moquerait plus de nous. Nous bombarderions toute la terre de canons. L'Amérique nous en achèterait au lieu de nous en vendre. Quoi ? On peut démultiplier les objets à l'infini, à l'infini. C'est dans toutes les revues. Il faut que tu prennes position, il faut que tu vois Palmas. Tiens-les ! Un idéologue que je m'encombre de cette couleuvre dialectique, de cette acrobate des ménages, de cette punaise de laboratoire. Tu es en train de gâcher la chance de ta vie. Et moi, j'en ai plein le dos de ta locomotive, tac-tac-tac-tac. Ce qu'il me faut, c'est une femme. Une vraie femme. Quelque chose de vrai. Par une locomotive, tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. J'ai besoin de détente. J'ai besoin de distraction. Où est ta belle-fille? Myrthe, la fille de Morren. Il n'y a rien comme les jeunes filles pour faire friser les moustaches des hommes d'État. Viendrait me voir au ministère. Elles viennent toujours. Allez directement à ma chambre, au bout du couloir de gauche, au premier étage. Régale-toi, crapule. Dévore le gâteau, ton dernier crépuscule. Arrivera bientôt. Professeur, cher professeur, vous dire à quel point je suis heureuse, je suis ravie. Il y a des moments qu'on ne donnerait pas pour une montagne d'or. Vous devez me détester de vous arracher à vos chers travaux. Le besoin de vous voir me tenaillait si fort qu'un jour de retard eût compté pour un siècle. Et comment aurais-je résisté?
le licencié Palmas est le plus grand de nos savants. Le plus grand et le plus petit. Je veux dire, le plus modeste, le plus réservé, comme moi. Comme moi, dans mes goûts. C'est modeste, vous voyez, du marbre, de l'or, ni toc, ni stuc. Mais parlons de vous. Toutes les revues où vous écrivez, je les achète content. Quand je me couche, je les dispose sur mon lit. Mais où ai-je la tête? Que voulez-vous prendre? Whisky? Je suis un libéral, madame. Vodka, alors? Je vous répète que je suis un libéral. Au moins, déshabillez-vous. Mettez-vous à votre aise. J'ai balayé tout le monde. Mais vous êtes affreusement mal. Laissez-moi vous installer. Venez, 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 venez. Mon maître. Mon grand homme. Mon professeur de tout. Là, comme ça. Et ce coussin, là. Mais non, pas là. Là. Quant à moi, un tout petit coin me suffit. Vous êtes bien? Vous êtes confortable? Mais regardez-moi, professeur. Je suis très bien, madame, je vous en prie. Aïe, ma jambe, elle me reprend. Qu'en pensez-vous? Mais je ne suis pas médecin. Et que ferais-je d'un médecin? C'est un sorcier qu'il me faut. Mais madame, je suis surpris que les autres puissent souffrir. Et les femmes sont les autres par excellence. Je ne suis pas moins surpris qu'elles puissent, c'est délicat, le contraire de souffrir. Le contraire de souffrir? Mais professeur, ce genre de problème, vraiment, vous avez 14 ans. Les femmes m'exaspèrent de ce que je ne les pénètre pas. Vous êtes célibataire? Oh, célibataire. Les femmes me sont aussi fermées que des souris ou que des pierres, si ça vous choque moins. Ce que le sorcier réalise ou croit réaliser, la possession d'une conscience qui n'est pas la sienne, telle est, je le confesse, la marotte de votre dévoué serviteur. Mais j'y arriverai. Mais en attendant, vous moisissez dans l'enseignement. Qu'attend le gouvernement? Bon sang de peste! Qu'est-ce qu'il attend pour vous donner les laboratoires, les mégatons, les cyclotrons, les bégatons, les sténotypistes, les hélicoptères, les millions, le nécessaire? J'ai les deux pieds sur terre, les deux mains. Je vais vous poser une question. Que pensez-vous du colonel? Le colonel, je l'encliquette. Oui, madame. Voilà ce que j'en fais du colonel. Oh, le colonel n'est pas si méchant. Pas si méchant? Et la Constitution? Vous savez ce qu'il veut lui faire à la Constitution? Non, je ne veux pas vous le dire. Vous êtes une femme. La Constitution! Octavio ne lui veut que du bien. Mais lui, ce qui le distingue des autres politiciens, c'est qu'il n'est pas un homme de parole. Blablabla. C'est un papillon, avec un sabre de cavalerie. Mais le peuple n'en fera qu'une bouchée. C'est sûr, c'est mathématique. Vous m'avez guéri. Je vous le disais, vous êtes un peu sorcier. J'ai lu pas mal de récits. Le sorcier, comme vous dites, parvient à transférer dans un morceau de pierre ou même dans un cadavre l'énergie dont il est chargé. La magie est une vieille science, la science est une jeune magie. Nous avons assisté, mon mari et moi, à des scènes de sorcellerie. Remarquez, c'est toujours la même histoire. On se demande s'il ne s'agit pas d'une mise en scène. Les explorateurs se changent en touristes et les sauvages deviennent des comédiens. Maintenant, je dois dire, il y a 2 ans, dans la forêt, on ne se bousculait pas. Donne la force d'être fort. La vie entre dans la mort. L'esprit tourne dans la pierre. Le plongeur touche le bord. Les savants sont de tout petits garçons, vous savez. Devinez ce qu'il nous a coûté. Devinez. Quelques paquets de cigarettes, je présume. Quel prophète. 4 plumes de Wirakuru sur de la peau de Mukara, les 4 clartés du tonnerre, les 4 longueurs du retour. Joli, c'est de beau. C'est de la mythologie précortésienne. Saisissant.
Par ma mère, j'ai pas mal de sang 8 auto. 8 auto? Oh, maintenant je comprends le pouvoir que vous avez sur les objets. Oh, j'aimerais tellement vous voir faire. Vous voulez vraiment? Il paraît que c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire merveilleux? Vous allez voir vous-même. Mais c'est une vulgaire. Quoi? Non. L'énergie ne réside pas dans les bobines, ma petite, elle est là. Dites-moi, votre machin, il serait capable de reproduire un canon? Un canon? Pourquoi un canon? Un canon qui tirerait des coups de canon. Elle s'y oppose. Toutefois, il faudrait que j'y consente. Donc, les dédoublements se poursuivant, la République, au bout du compte, serait couverte de canons. Théoriquement, oui. Mais... à quelle fin tous ces canons? J'ai dit canon comme j'aurais dit bombardier. Vos bombardiers, les États-Unis vous les paieront les yeux de la tête. Ils sont là pour ça. Vous n'avez pas une amplificatrice? Ma foi, non. Une fourchette fera l'affaire. Parfait. Voilà, très bien. Vous y sommes. Où est la prise? Là, dans le coin. Oh, exciting! Savez-vous chanter? Pourquoi? Quand le sorcier opère, il faut qu'une femme chante. Chanter? Oh, rien n'est plus simple. Vous avez un grain de beauté? Où avez-vous la tête? J'en ai un ici. Eh bien, ce grain de beauté sera sur sa hanche, n'en doutez pas. Sur sa hanche? Sur la hanche droite de la femme que je vais construire à votre image. Elle me ressemblera? À s'y méprendre, à s'y tromper. Je vous interdis! Ne bougez pas, je vous prends. Le temps de cadrer. Non, je vous interdis d'essayer sur moi! N'oubliez pas que vous êtes fonctionnaire! Restez tranquille, je braque. Oh, non, je ne suis pas une molécule. Attention, je jute. D'où sort cette femme? Dans cette tenue? Qui est-ce? Mais qui est-ce? Vous? Moi? Votre réplique exacte? Dieu! Je me mange les mains de vous avoir reçu! D'abord, pourquoi est-elle nue? Si elle se mettait à parler, à courir, avec ma langue, avec mes jambes! Professeur, vous me faites peur! Qu'est-ce que vous avez derrière le crâne? Je vous ordonne de faire disparaître cette chose. Sinon, j'appelle. Personne ne vous croira. Nous sommes tous les deux, ma chérie. Tous les deux. Et puis vous brûlez autant que moi. Vous boudez, mais vous brûlez. Et mon invention, au lieu de servir les desseins de votre stupide colonel, apportera à nos frères malheureux la lumière, la chaleur, la flamme qui leur manque. Comme dans le mort, le sorcier. Je vais me planter, je vais m'enfoncer dans ce simulacre de vous. Professeur, vous êtes là, je ne vous vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Quelle horreur! Dans la nuit. Je suis donc mammifère, enfin, pour le bon. Où voulez-vous en venir? Certains docteurs se font inoculer. Moi, scaphandrier biologique, je m'immerge dans la femme.
je colle à ce que j'explore. L'erreur succombe, car la distance périt. Figurait que ça pesait, mais non, pas du tout, des montgolfières. Je me sens léger, léger. Faut-il mettre un soutien-gorge ? J'en ai un, pour la forme. Et cette espèce de brassard, avec des queues gaufrées qui pendent, c'est pour les bas. J'avoue que c'est amusant. Ça doit s'attacher là. Drôle de mécanique. Mon fourreau, tu n'arrives chez ça, alors ? Je ne suis pas certain de l'enfiler dans le bon sens. Ah, que je dis, certain, adjectif masculin. Il faudrait que je me conforme à mon nouveau sexe sous l'angle grammatical. Ce n'est qu'une question de chronaxie. La, 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 la. L'homme se change en femme, la farine en blé, mais la farine est là, le trou n'est pas comblé. Théodora ! Théodora ! Qu'est-ce qui prend encore madame ? Il a osé, il m'a recopié. Et puis après, ma grand-mère me racontait qu'avant les Espagnols, il n'y a pas si longtemps, les morts, on leur faisait faire le marché. Pour marcher, pour s'asseoir, c'est épatant d'être femme. Rien qui gêne, pas ça. Au-dessous de la taille, on baigne dans le vide. Quelle légèreté, quel bonheur. Je suis libre, je connais la liberté. La liberté, c'est moi. Alors les femmes, qu'est-ce que vous attendez dans vos 14 jupons ? Que la crasse vous mange ? Levez-vous. Laissez votre misère. Marchez, courez. Levez-vous. Soyez libres. Ne demandez pas la liberté, prenez-la. Les hommes libres sont les peuples libres. Alors, c'est vous ? Oui, c'est moi, je suis venue, voilà. Ah, c'est Pascual, c'est ici. C'est ici, je croyais que vous ne viendriez pas. Oh, voyons, Pascual, j'avais promis que je viendrais, je suis venue. Du carton, mon cher. Votre caverne. Qui c'est de l'autre côté ? Je ne sais pas. Des gens ? Personne. Papa aussi est dans les mines. Papa aussi ? Vous n'allez pas mettre dans le même sac votre père et les pauvres malheureux qui crèvent dans les mines. Alors comme ça, Pascual, c'est tout ce que vous racontez. Je suis un étudiant. Il y a des étudiants dorés. Moi, je n'ai pas le quart d'un rond. Vous, vous êtes les mines, la banane, le café, la morue. La République ne produit pas de morue. C'est une chance. Vous seriez la morue. Vous avez toute la ficelle que vous voulez. La ficelle, mon cher, ça casse. Parlons-en. Votre père a le colonel. Qu'il a dû cracher. Au tennis, vous étiez plus adroit. Les balles vous arrivent, vous les appelez, vous les charmez.
Je ne sais pas comment vous vous débrouillez. Pim, pam, poum. Une raquette doit être équilibrée. 493 grammes pesée chez le pharmacien. Trop lourde en tête, elle vous emporte. Trop légère, vous vous crispez. Le poignet durci à se briser. Mon petit Pasquale, maintenant que nous avons fait toutes ces folies, le peuple, il crève dans la mort. Messieurs, la présente réunion est la dernière avant l'exécution du colonel. Ils veulent tuer le colonel ? Franchirons la Grèce à produire de la viande pour la nation, pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il cloue, le gouvernement ? Il institue la décimale sur le... Que fait-il ici ? C'est un ami de mon père. Faites pas bruit. Par pitié, par charité pour votre père. J'ai pleuré, j'ai sangloté comme un veau quand, dans notre chambre patronale, la fleur de la boucherie en gros entonna l'hymne républicain. L'étendard de la liberté de nos mains, ainsi, tout le monde ainsi, ainsi, ainsi. On s'en pègue dans la salive. En Espagne, la salive nous a foutu dans le cacao. Pour tuer la salive, elle demande trop de temps. Moi, la salive, elle me sort par les robignoles. Merci, grand train. Et vous, Ezekiel ? Dans la banlieue, les chipchas, ils vivent à 30 par famille et crèvent dans l'humidité. Touristes vivants. Vous savez ce que ça veut dire, les chipchas ? Ça veut dire des pauvres, des gens qui bouffent pas, qui se font bouffer par les poux. Ouais, de l'eau à volonté, pas d'égout, pas de canal. Des chipchas comme moi, les premiers de la patrie en un sens, et puisqu'avant les Espagnols nous étions là. Mais en attendant, ils crèvent. Ça n'empêche pas qu'on est en train de faire la statue de la Sainte Vierge des chipchas. Compagnon, j'appelle ça de la bestialité d'astiquer encore une fois les raisons qui nous déterminent à lutter contre la tyrannie. J'ai quelque chose de plus comestible à vous servir. On a renseigné la police. L'un de nous a trahi. Il va falloir qu'il paye. Où est-il ? Qui est-ce ? Ne bougez pas. Il est comme s'il était mort. Le bureau central l'a condamné aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à l'exécuter. Soyez donc à l'heure. Nommez-le. Salaud ! C'est qui l'est maintenant ? Il est ici, parmi nous. Il va se désigner lui-même. Je l'autorise à dire s'il y tient 3 ou 4 mots, mais je le préviens, tout ce qu'il pourra dire est rien. Toi, Coral, tu me connais, c'est pas moi que tu vises, Coral, c'est pas possible. Écoutez-moi. Soumettez-vous, je vous prie. Non ! Coral, tu vas pas me faire ça ! Et que je l'ai rencontré par hasard, ce photographe, derrière l'évêché. Note que je ne dis pas les actes, mais la substance est différente. Tourne mal. Oui, si je l'ai rencontré, c'est le hasard qui l'a voulu. On te parle, tu réponds, alors quoi, j'aurais dû me mettre à courir. Toute ma vie, j'ai bouffé les roubignoles à cœur. Écoutez-moi. Maintenant, je suis un homme, je me nettoie les pieds, de ne pas me faire mourir. Silence, malheureux. Qu'est-ce que c'est ça, alors ? Toi et le colonel, ce serait pareil. Suffit, Ezekiel, tu vas mourir. Crapule de foutre ! Mouche à bordel ! Vous invitez ces cagibis ? Maigrichons pour deux. Ton métier ? J'ai tuni. Saison tartrée. Ça rigole du matin au soir. Abruti, donc par tes bouches, ton pied de là-dessus. Sénateur Termoche, qu'est-ce que vous faites là? Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Toi, ça va. Vous, le bel étudiant, vous allez le descendre. Collez-le dans vos draps de lit. Ça fera linge sale. Le linge sale dans un hôtel, il n'y a rien de plus naturel. N'ayez pas peur. Le patron de la baraque est pour la liberté. Allez-y. Avec ce type ? Avec ce type. Fourmi. Ezekiel, toi, ce soir, on te foutra dans le charbon. Comme ça, cette casserole finira sous les culs des casseroles. L'équipe de nuit à l'usine à gaz, ils sont aussi pour la justice et pour la liberté. Oh, l'oncle, on n'a plus besoin de vous. Salut. Avec le cœur que j'ai, je préfère me retirer. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faisiez seule chez ce type ? Mais je n'étais pas seule, colonel. J'étais avec lui. Colonel, je n'aime pas ça. Donc, mademoiselle, vous êtes la fille de Morène, des sucreries.
les charbonnages. Oh, vous êtes très au courant. Je vais vous fouiller. Fouiller, moi, mais vous n'y pensez pas? La révolution ne plaisante pas. Déshabillez-vous. Je ne dissimule rien. Rien? Rien. Faites voir. J'aimerais me les laver. Je vais te nettoyer, moi. Je m'occupe de lui, ça fait moins de bruit. Mais alors, tu n'as donc rien compris? Il travaille pour nous. Mais oui, c'est lui qui a amené la fille. Si on emploie de type comme ça maintenant. La séance est levée. Ce qu'il faut que vous vous mettiez dans le cerveau, mademoiselle Morène, c'est que nous voulons la peau du colonel. Dans 2 jours, chez vous aux Anturios, vous donnez votre fête de printemps, vous m'invitez. Je suis un de vos amis et vous, vous m'invitez. Si tu ne bouges pas le monde bouge autour de toi. Par contre, si tu vagabondes, du monde tu deviens le toit. C'est vous? Vous êtes habillé en quoi? Vous voyez bien, je suis sergent de la police. En somme, vous êtes au service du colonel. Je croyais que vous ne l'aimiez pas. Le colonel est une crapule. Et ça? Le gouvernement nous les distribue. C'est au champ de course que ça se passera après-demain, dimanche. Vous aimez les courses? Les chevaux m'emballent. Dimanche, n'y allez pas. Je serai de service à la tribune d'honneur. J'aurai ma mitraillette d'ordonnance. Je descendrai le colonel à la fin de la 3e course, dès que les téléscripteurs publieront les résultats de la 3e. Nos amis dans tout le pays sauront que cette pourriture d'Octavio Pradorot vient d'encaisser sa dernière solde. Et je vous jure que le poids y sera. Et moi, je tire très bien. Une fois le colonel éliminé, nous distribuerons des armes. Nous en attendons un plein bateau. Léopard. D'où viennent ces armes? Que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour les adversaires du gouvernement, les armes viennent toujours du même fournisseur. Augusto, quel philosophe vous faites? Les armes n'ont pas d'opinion. Dis-donc-toi. Ce soir, les piments sont à la crème. Il dit que vous êtes avec un piment. Qu'est-ce que c'est qu'un piment? Un policier, la crème, c'est vous. Je trouvais l'autre jour une affaire de gagne nationale. Ah, le léopard n'est pas arrivé. Demandez le diario national. Ce vieux mortel a beau être un réactionnaire, ça lui fera toujours une piastre de plus. Demandez le diario national. Là-dedans, je parierais, il y a des mineurs, le Koyaka, qui serait incapable de citer dans l'ordre juste les initiales de leur organisation syndicale. Alors un jour, ils s'amènent au Galito. Et c'est comme s'ils prenaient un bain dans la musique, dans la lumière. Il n'est pas si fort. Tous les libres citoyens d'une libre république ont droit à la peinture en venant. À la peinture, à la philosophie. Les deux. Si vous voulez voir le tropique, regardez-moi dans le milieu. Quand je danse avec Juan, je ne danse pas avec Pedro. Aïe, hola. Quand je trotte avec Pedro, je ne trotte pas avec lui. Aïe, hola. L'Amérique ibérique danse et chante le mieux. Nous pratiquons une musique qui rend la vie aux malchanceux. Quand je flotte avec lui, je ne flotte pas avec Marco. Aïe, hola. Quand je trotte avec lui, je ne trotte pas avec Juan. Aïe, hola.
couche sur ma bouche, l'homme persécuté. Sitôt que ma langue vous touche, vous connaissez la liberté. On danse avec lui, je ne danse pas avec Pedro. Aïe, hola. Je danse avec Pedro, je ne danse pas avec lui. Aïe, hola. Brava, brava. Tous en masse qu'on m'embrasse, possède-moi public. Notre clameur d'amour efface le patron, l'argent et le flic. Ah, je danse avec Marco, je ne danse pas avec Pedro. Aïe, hola. On danse avec lui, je ne danse pas avec Pablo. Aïe, hola. Ça, c'est un numéro, ça c'est un tous numéro. Tous les prénoms du calendrier ont été passés. Madame, je félicite de tout mon cœur, quel talent vous avez. Vous c'est la première fois que vous vous produisez dans la capitale. C'est la première fois tout court. Comment, vous n'avez jamais fait de théâtre avant? Jamais. Il n'est pas d'usage que les vedettes de ce genre d'établissement fassent voir à la clientèle leur extrait de naissance ou leur passeport. Vous le voyez, je ne suis pas cachotière. Madame, me feriez-vous le plaisir de venir à cette adresse? Il y a une fête demain. Mademoiselle, j'apprécie infiniment votre invitation, à laquelle je me rendrai avec empressement, s'il vous apparaît que ma présence peut être acceptée sans inconvénient. Toute l'Amérique latine est une termitière de dictateurs. Aucune de nos républiques n'arrive à se débarrasser de son épouvantail à épaulettes de délégués militaires. Ma parole, du roi d'Espagne ou du Portugal, invisible, indéracinable, éternel. Tenez, par exemple, la boxe. Des pois coqs, des pois mouches, nous en avons des corbeilles. Et dès qu'il s'agit de mettre en ligne un poids lourd, il faut chercher, je vous assure. Dans les écritures, dans la science, croyez-moi, nous sommes petits, petits, je vous assure. Conclusion? Quand votre fumier de colonel sera par terre la gueule écrasée à coups de souliers, ce moment n'est pas loin. Nous pourrons appliquer à notre peuple le seul remède qui puisse le sauver. Le seul! Quel remède? Le régime démocratique libéral. Voyons. Je crois que le moment est venu. En tout cas, je suis prêt. Qu'est-ce que vous attendez? Ce que j'attends. J'attends le grand moment de ma vie. J'attends de voir le tyran face à face de tout près. Mon cher, vous êtes impayable. Quand la liberté aura triomphé, je songerai peut-être à vous trouver jolie. À demain. À demain, noble chevalier. Dans le temps où le temps passe, le temps fait passer le temps passe dans l'espace, le temps passe dans le temps. Mais quelle surprise! Je ne croyais pas que j'aurais le plaisir de vous voir chez moi. Vous n'auriez pas une agrafe invisible? Le charmant prétexte. Toutes les agrafes que vous voudrez. Vous ne m'avez jamais vue. Oh. Qu'est-ce qui vous prend? Figurez-vous que j'étais hier soir dans une espèce de cabaret. Il y avait une femme. Une femme? C'était vous. Elle vous ressemblait tellement. Vous me brisez l'œuf. J'ai 3000 invités ce soir, des généraux, des ministres, des écrivains. Et là-dedans, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un tas de raseurs, de gens foutres et de peine-queue? Donc, dès que le colonel se présente, vous attaquez l'air de la cavalerie. Bien entendu, vous ne couvrez jamais la voix du colonel. Les langos directeurs, en les coupant en deux ou en quatre? Comme d'habitude, le maître d'hôtel vous indiquera. Mais dites-donc, vous. Vous connaissez bien ce métier? Mon travail, je le ferai. Ah. Jetez donc votre cigarette. Prenez à faire votre travail. Mon travail, je le ferai.
J'ai l'honneur de vous informer que mon colonel fera son entrée à 23h30. Ma maison appartient au colonel. Les policiers sont dans le parc, tous en civil. Invisibles par conséquent. Imperméables et feutres noirs, je sais. Ah, je reconnais bien là celui qui franchissait les murailles. Nous appartenus, ces deux déguisés-là valsaient, je vous le dis. Ne n'en doutons pas. Au fait, comment je vous présente? Attendez, je suis l'ingénieur exquise. Comme les cigarettes. Vous, pas. Ingénieur. Oui. Ils ont tout nettoyé, les coins. C'est un nom étranger. Il arrive de ces montagnes. Ils bouffent chez eux, ils bouffent dehors, ils bouffent partout, avec tout ce qui se gaspille ici comme pitance. 1000 enfants pauvres pourraient être nourris plus d'un mois. Un au moins le sera, puisque vous êtes là. Pour la droite, c'est qu'elle pactise trop avec la gauche, si bien qu'à la fin, plus personne ne s'y reconnaît. D'où fièvre dans le pays. Et quand la fièvre monte, la bourse baisse. Croyez-moi, mon cher, vendez, faites comme moi, vendez. Tiens, mademoiselle, vous le reconnaissez? Qui? Gandecrin, là, ce loufien. Lui, ici? Il s'est fait embaucher pour déboucher les bouteilles. Et du même coup, il me contrôle. Je vois, la confiance règne. Les révolutionnaires peuvent onduler. La révolution est perpendiculaire. De le voir, je foutrais tout en l'air. Ah. Vous l'entendez? Les garanties constitutionnelles sont suspendues. La jeunesse est dépourvue d'idéal. Les petits exploitants agricoles travaillent encore comme il y a 3000 ans. Vous savez ce qu'il donne aux propriétaires? Dites un chiffre. Je ne suis pas très compétente. Le 7%. Lui, c'est encorné, ça le fait rire. C'est tout ce que ça lui fait. Tiens, Joachim, je ne me doutais pas que Velázquez, un grand peintre, avait fait votre portrait. Regardez! C'est du Dabo que je parle. Ne vous formalisez pas. Ce Velázquez est probablement faux comme tous les Velázquez. Canaille. Daignerez-vous définir la situation politique de votre beau pays? Qui serait mieux qualifié pour vous répondre que Monsieur le Président du Conseil? Je vais donc me dévouer une fois de plus. Joachim! De quoi la République est-elle fatiguée? Des aventuriers. Les apôtres de la démocratie et de la violence se disputent notre chair. Grâce au colonel Octavio Pradorot, nous avons évité jusqu'ici la honte du pouvoir entre les mains d'un seul. C'est trop fort. C'est très fort. Levons notre verre à la santé de celui que je me permets d'appeler un chic garçon. Je le tuerai. Si vous continuez, je vous embrasse. Le colonel Octavio Pradorot. Pourvu qu'il ne s'étouffe pas. Qu'il se modère, que diable. Il a encore tout un jour. Il aime beaucoup la vie. Trop. Ce que votre colonel pourrait faire de pire. Le comble de la saloperie, ce serait de crever
avant la date prévue. C'est pas drôle ici, venez donc avec nous. Autant que vous faites l'idiot, il y a des malheureux qui crèvent, pas loin d'ici, dans une rue. Il y a des plaques où les déshérités viennent chercher de l'eau. Ils sont répugnants. Tout le parfum est dans la queue, comme chez les langoustes. Sous les yeux du soleil ébloui, l'Amazone sort de la terre. L'Amazone sort de la nuit, de la montagne élémentaire. En fait, un petit enfant qui veut toucher la mousse et la fleur du rocher. Petit enfant qui veut danser, elle a soudain l'écume et le poil et hurla. Les capitales, les problèmes, les chambres où on dit tu m'aimes, les ateliers. J'aurais mieux fait de rester en Europe, à Montmartre. Tant que vous garderez ce maquereau de colonel, vous resterez la honte de la terre. On n'avait peut-être pas lu Victor Hugo. Moi, je l'ai lu. Et j'ai lu l'apôtre Marty, tout est expliqué. Improductif, prétentieux, fils du pape. Pour qu'avec honneur, se reflète, et parmi nous, celui qui se pencha sur lui. Le fil du double sang, qui sont espagnols et chipchas, qui font notre patrie unie. Une est complète. Vous ici, monsieur Palmas, vous êtes revenu. Je vous l'avais pourtant bien défendu. Allez-vous-en. C'est vous, c'est encore plus vous que je ne croyais. C'est très amusant. Pour moi, c'est une catastrophe. Ils vont tous être ravis. C'est un scandale, ce Palmas. Christi, quelle baleine! Vous la harponnerez volontiers. Que le mal pour tout bien. Reculez, bande d'abrutis! C'est pour lui que mon cœur toque, 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 toque. Tant pis si je vous choque. Je chéris qui m'est cher. Laissez-lui la place! Je choisis sans équivoque tel qui pèse les jours dans votre enfer. Va, galante galine, va, va là où l'on t'attend, caracarine, pour blanchir le cacao. Va, va là où, va, va là où. Sans si magré, si j'agré, dans la mine, et dans les pampas, quand je suis nu et sans peine et sans bas. C'est qu'à la ronde je donne, donne, donne l'huile de ma bonbonne à tous, même aux bandits. Car je suis bonne, très bonne, et je dis c'est moi le paradis. Va, galante galine, va, va là où l'on t'attend, caracarine, pour blanchir le cacao. Va, va là où. Passion mia, passion mia. Chut, chut, chut.
s'entrelacent et qu'on grimpe au long de mes flancs. Car ils sont doux pour les noirs, pour les blancs, et les migrants et l'autochtone, tom, 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 qu'on repousse, qu'on bâtonne. Mort de faim, plein de poux, ce nom la gueule des tomes parmi vous. Les chiens, les ourbeaux. Sous-sol, peut-être. Je connais la maison. Venez. Quelquefois, on fait du théâtre là-dedans. Le côté culturel de ma belle-mère. Ici, nous sommes dans les loges. Oh, regardez, c'est horrible. Cagayne, tout est foutu. Le triple salaud, il a cessé de vivre. Comment je vais faire pour le tuer, moi, demain? Vous manquez de tact. Et lui, alors? C'est un tour de vache qui me joue. Crevait juste la veille de sa mort. Il était si vif, si bien portant. Oh, mais toujours cavaleur. On entendait rire à 10 mètres. Avez-vous vu le colonel? Le colonel, il est là. Un médecin, tout de suite, un médecin! Qu'un médecin n'y pourrait rien. Je ne vous le cache pas, cette mort prématurée est une catastrophe. Personne dans notre entourage, personne ne doit savoir qu'il est mort. Vous, ne bougez pas d'ici, personne ne doit entrer dans cette pièce. Qu'il soit bien entendu pour tout le monde que le colonel vient d'avoir un malaise insignifiant. Madame Morin arrive. Il ne faut pas qu'elle sache. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes occupés, laissez-nous. La hausse des sucres ne serait inquiétante que si elle s'accompagnait d'une grève des consommateurs. Mais personne ne songe encore à mettre du sel dans le café. Vous, retournez sur le champ auprès de nos invités. Non, voilà des cachotteries! Il faut que là-haut, tout le monde danse, le colonel y tient formellement. Mais... Faites ce qu'on vous dit et fichez-moi la paix. Ma chérie, va là-haut et ramène-moi discrètement le général Aperme. Et moi, je vous certifie que nous sommes dans un tournant. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours défendu la liberté. Quoi qu'il arrive, je ne crains rien. Mais d'autres pourraient trinquer. Le colonel est en conférence avec mon mari. Oh, mais regardez-moi ces têtes d'enterrement. Que ça saoule, mes petits chats. Que ça remue. Je veux voir le soleil que vous avez dans le sang. Allons. Dansez, amusez-vous. Vous êtes jeune, que diable. Qui me demande? Qui me demande? Mon père. Votre père? Oh, pardon. Je m'assoupissais. Une fois 10 heures sonnées, je m'envole au pays des morts qui sont les véritables vivants. Avez-vous lu Aurobindo? C'est étrange, n'est-ce pas? Quoi donc? Et que nous soyons là, dans ce globe carré, vous, la grâce, moi, l'esprit, réunis en dehors de toute nécessité logique, par la seule vertu des nombres étoilés. Vous, monsieur Masayoa, un vieil ami de mon père. Je considère notre étreinte comme acquise. Ah, l'archange sait toujours donner de l'épée. Vous allez voir dans un instant ici même les chefs du mouvement révolutionnaire auquel vous-même vous appartenez. Ne vous troublez pas, je ne vous le reproche pas. Messieurs, votre attachement au colonel, nul ne songe à vous le reprocher. La mort, cependant, vous délivre. Il convient que vous sachiez que ces messieurs constituent depuis plusieurs mois le bureau central de la Révolution, investi du redoutable honneur de diriger la République après le soulèvement populaire annoncé. Annoncé? Commandé. De toute façon, fatal est prévu. C'est une catastrophe. Messieurs, je vous donne ma parole de citoyen que...
Le bureau central n'entre pour rien dans ce lamentable accident. Franchement, je n'imagine pas que cet homicide ait été fomenté par la victime elle-même. Et dans ce cas, par qui? Par quelques fanatiques isolés. Éclatant prématurément, la révolution ne peut qu'avorter. Regardez un peu du côté de l'Europe. Le pronunciamento dirigé contre le chancelier Adolfo Hitler. Vous voyez ce que je veux dire. Le 20 juillet 1944. Échoua. Il était exactement midi 42. Les causes de cet échec? D'une part, le manque d'accord véritable entre les conjurés. D'autre part... La bombe. Ils avaient choisi la bombe. Or, il est prouvé mathématiquement que l'infaillibilité des bombes ne se manifeste que dans les guerres internationales. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas là, on voit très muet. Sans armes, nous ne pouvons pas agir. Pardon, le retard d'un bateau ne va pas nous faire manquer. Le rendez-vous du... Encore ce grand mot, ce qui importe, c'est le matériel. Nous pouvons toujours reculer à date. Attendre qu'il pue. Dans ce cas, on appelle les Américains. Conclusion. Un programme doit se dérouler à la date et selon l'horaire prévu. Le colonel doit être tué demain sur la tribune de l'hippodrome, après la troisième course. Mais mon cher Guillermo, comment diable le colonel pourrait-il non seulement se faire tuer sur le champ de course, mais au préalable s'y rendre alors? On mitraillera son cadavre. Il fera ce sale travail. Vous tirez sur un cadavre? Une idée comme ça ne peut germer que chez le capitaliste. Jeune homme, vous avez raison. Quelqu'un de bien vivant jouera donc le rôle du colonel. Un volontaire. Ce volontaire, ce héros, nous l'avons sous la main. C'est vous, mon petit. Non. Que je me fasse descendre, moi, à la place du colonel. Ah non, pour moi, la révolution est terminée. J'en ai assez vu, j'en ai assez fait. Salut, je rentre chez moi. Pio. Ce cher Pio. Te voilà. Enfin une bonne tête. Enfin un vrai militant, celui-là. Ah. Ça vous fait chaud de le voir. Hein? Lui. Pendant la guerre civile, il s'est pas contenté comme vous de pérorer. Lui, on l'a vu. Il s'est montré. Il a risqué sa peau. Hein? Raconte-le, tout ce que tu as fait. Raconte-le, vas-y. Ben, en Espagne, on mettait pas des gants. Les filles de droite, quand on en a graffé une, on l'a fricassée. Et le béret sur la tête, et sans cracher la cigarette, la charogne de la franquiste, elle finissait par gueuler tant elle jouissait. Pendant ce temps, la mère, elle était derrière la porte avec le rosaire. Celui-là, c'est moi qui l'ai tué. Comment, c'est vous qui? Oui. J'ai pas pu me retenir quand la galine, elle a chanté. Pam, 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 pam. Va là-haut, je lui ai couru derrière à cette ordure du colonel. Je lui ai martelé par derrière. C'est la meilleure façon de ne pas faire de bruit avec un pistolet. Après, je lui ai rentré ici dedans. Je continuais à lui piler le crâne et à lui serrer le cou. Je ne résistais pas. C'était plus fort que moi. Vous n'avez ni raison ni intelligence. Nous vous jugerons. En d'autres termes, nous vous condamnerons. Plus tard. Mais puisque vous représentez la sincérité révolutionnaire, c'est bien ça, n'est-ce pas? Quel palliatif envisagez-vous à la confusion que vous avez vous-même créée? Demande. Comment s'en sortir de l'omelette où tu nous as foutus? Parle. On fera ce que tu auras dit. Il n'y a pas de moyen, il n'y en a qu'un. Sors-nous-le. Il faut que quelqu'un se sacrifie. Quelqu'un? Qui? Un volontaire, bien sûr. Qui? Dis-le! Qui? Vous le savez bien. Vous lui ressemblez. Il n'y a que vous. Malheur! Malheur! Mais Pio... Pio... Tu veux que les copains me tirent dessus? C'est ça que tu veux! Monsieur Alvarez, vous me faites de la peine. Il y a une chose que vous ne savez pas, je vais vous la dire. Vous marchez pour tuer le dictateur, à condition que le dictateur soit un autre que vous. Bon, c'est entendu. J'irai.
Quel soulagement! Ah! Nous savions qu'il ne pouvait agir autrement. Procédons tout de suite à l'échange des vêtements. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous, mademoiselle, vous avez l'habitude des miroirs, occupez-vous du visage. Allez-y, n'ayez pas peur, il ne vous mordra pas. Vous avez la tête. Voilà. Nous comptons sur vous, monsieur Lopez Villa, pour que rien ne soit changé dans les habitudes, dans les attitudes du colonel. Le colonel est vivant. Il est bien vivant. Jusqu'à demain. Il ne nous échappera pas cette fois-ci. Vous n'allez pas nous abîmer avant le grand jour. Je me retiendrai, c'est un ami. Stupéfiante en effet cette ressemblance. À croire qu'il nous suffira de l'accentuer. Colonel Octavio Pradorotte, qu'est-il devenu? Vous aurez bien le savoir. Après tout, je suis président du conseil. Notre colonel bien-aimé travaille trop. Vous allez nous le tuer. Il est tombé comme une masse sur un lit de fortune. Vendez, vendez. Ça sent de plus en plus mauvais. Téléphone au journal. Si le lapin est mort sans que le chien aboie, il faut tout de suite nous jeter à l'eau. Des bruits courts, très alarmants, qu'il y a qui devraient dans tout ça. Font place aux que voulez-vous dire? Le colonel. Ah, colonel. Ah, les journalistes, quelle imagination. Así vos mando sabidoso por vos en colonel Pradorot. Colonel Pradorot. Aya, iya. Aya, iya. Cher colonel, nous avons tous été ravis, comblés, nous avons tous été... Aya, aya. Je n'ai jamais douté, moi, de l'immortalité du noble colonel. Jamais. Je suis le premier à le crier. Aïa, aïa. Bonjour, général, on s'est jamais vu. Les molécules s'organisent suivant des angles élastiques. Le résultat pourtant sera d'ordre politique. Quel rapport existe entre la mort d'un colonel et la vitesse des rayons lumineux? Aucun. Aucun, dites-vous. Erreur, erreur. Nous touchons au but. Venez avec moi, vous verrez le soleil se lever. Venez. Il n'y aura plus de chemin. Il n'y aura que la grande route. Par où nous passerons demain. Pour fuir l'erreur, pour fuir le doute. Que nous laissons dans nos maisons. Notre belle vie de fête, femme garde tes raisons, que nous partons crever la bête. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Que vous soyez à moitié mort, pour nous, c'est sans importance. Mort, vous le serez tout à fait dans 2 heures. C'est à vous que je parle. Hé, hey, Coral, vous m'entendez? Réveillez-vous donc, sapristi, votre rôle n'est pas terminé. Olé. Quels sont aujourd'hui les engagements impératifs du colonel? Le général Gonziano, chef de la sécurité, est convoqué pour 12h30. Le ministre recevra le général dans son lit. Je veux dire, sans quitter son lit. Vous ferez la navette entre les deux bons hommes. Expédiez ce Gonziano et ne vous montrez à quiconque. Mais à l'hippodrome. L'affaire aura lieu dès votre arrivée à la tribune. Voilà qui doit vous rassurer tout à fait sur les risques que vous pourriez courir d'être démasqué. Puis-je me permettre de vous demander si le comité envisage de nouvelles élections générales? De nouvelles élections générales? Mais pourquoi faire? Sous prétexte de sortir d'une crise politique, on ne va pas faire joujou avec l'organisation constitutionnelle de la République. Ce qu'il faut, c'est que les intérêts du peuple soient confiés à des hommes qui représentent les véritables valeurs. Lesquelles? Lesquelles? Singulière question. Les valeurs authentiques, voyons. Et aussi, les valeurs supérieures. J'allais les oublier. Coral, levez-vous. Levez-vous! Lorsque tout à l'heure vous serez tué en tant que ministre,
colonels et dictateurs, vos morceaux d'abord massacrés et dilapidés par le peuple seront enterrés sous le nom de Pradoros, la Vassoie. Avez-vous de la famille? Une vieille tante. Parfait. J'ai donc l'honneur de vous informer que pour cette personne, vous êtes déjà mort, alors qu'il est en vous pleurs. De quelque côté que vous vous tourniez, l'horizon est bouché. Vous êtes mort. Décidément, il ne vous reste plus qu'à mourir. À propos, qui doit vous tuer tout à l'heure à l'hippodrome? Moi. Ne plaisantez pas. À mon défaut, si pour une raison ou pour une autre, je n'étais pas là, je veux dire, sous l'uniforme de sergent de la sécurité, ce sera le sergent Sornosa. Il tire bien? Très bien. Très bien. Toi, ne te déballonne pas, autrement je te refroidis. Vous, ça va! Je suis un vieil utopiste. Ce que vous exigez de cet homme est surhumain. Vous lui demandez d'aller le cœur guilleré, non pas à la mort, mais au supplice. Vous le revêtez des insignes de la puissance pour le conduire à l'abattoir. Les Aztèques procédaient ainsi. Rat de bibliothèque, vous devriez le savoir. Mais regardez-le. Quoi? C'est méchant! Vous ne voulez pas mourir! Personne n'aime mourir. Par conséquent, je téléphone à la sécurité. La liberté foutue à cause de cette peau de singe. Je vais te faire la barbe comme Ezekiel! Toute la gauche est condamnée. La répression sera terrible. Je connais mes torts. Je vous demande pardon à tous. Je ferai tout ce que vous voulez. J'irai! Moi, je déjeunerai juste en face. Il y a un salon de thé. Elle parisienne? Effectivement. On y sert aussi de ces langoustines. Vive la liberté, y a quel qui compte, y a quel aujourd'hui nous la verrons, ça vient! Toute la ville est debout. 400 000 citoyens, je les entends. Derrière, plus loin, partout. Gros tambour dans les bois. Gros tambour dans les chemins. Quelle manade! Sainte farine de l'avoine! Vache! Une fourmilière sur pied! Même les taureaux, ils viennent! Même les taureaux! Même les coucou-tigous! Tout le monde en veut du Balthazar! Vous vous esquintez dans les mines! Vous ne vous reposez jamais! Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que vous réfléchissiez. Qui vous protégera? Qui vous défendra? La liberté! Je vais te mettre au lit. Oh, regardez-moi ces mirliflas. Ça ne tient pas debout. Alphonse! Al Capon! Il faut mettre la main sur les dossiers secrets. Et puis, dans la baraque, il y a des cendriers en or. En or? En or massif. On y va? Pour une fois, tu m'intéresses. Passe devant, Glandinon. Mademoiselle Myrthe, tout est fini. Ça se rétrécit. On va me tuer. Péririez définitivement dans mon estime si vous vous laissiez tuer. Mais Sayas, mais votre père... Ne mélangez pas. Qu'est-ce que je peux faire? Révoltez-vous. Contre qui? Contre quoi? Contre la révolution. Ils veulent que vous fassiez le colonel? Eh bien, faites-le. Faites-le le plus longtemps que vous pourrez. Regardez-le. Il n'a peur de personne. Il se moque d'eux. Vous entendez, Coral? C'est de vous que je parle. La preuve, tenez. Le
Le général Conziano, chef de la sécurité du territoire, arrive à l'instant. Sainte Vierge, licencié Sayas avait dit que je devais me mettre au lit. Idiot, reçois le général, debout. Et souviens-toi que le patron, c'est toi. Bien entendu, vous recevez le général ici. On y voit presque autant. Le général Gondiano n'est pas fou, il va se rendre compte que... Le colonel est à ce point redouté que le général ne peut qu'être enchanté de le trouver changé. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous amuse. Faites comme chez vous, vous êtes le maître. Tout vous appartient ici. Plus vous serez brutal et injuste, moins vous le surprendrez. Le général Gondiano! Je suis là, je te surveille. Fais le marché! Monsieur le ministre, il n'y a plus moindre doute. Taisez-vous. Des menaces d'extrême gravité pèsent taisez-vous. Sur la tranquillité publique. Ces menaces concernent votre personne. De vous asseoir. Non, 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 assieds-toi. Quoi donc? Je vous ordonne de vous asseoir. Il n'y a pas de mais. Je refuse de vous écouter. Monsieur le ministre, en tant que chef de la sécurité de ce pays, il m'appartient de... Rien ne vous appartient. Mais il m'appartient de... Tout m'appartient à moi seul. Je déteste les pessimistes. Pourtant, mes renseignements sont... Je vais vous faire pendre par le doigt du milieu. Ah. Mais, monsieur le ministre... Vous, tout ce que je vous demande, de tout, c'est de ne pas me casser les oreilles. Sécurité à général Pradorotte. Sécurité à général Pradorotte. Quelques rassemblements suspects sont signalés dans le parc de Redemption, au voisinage de la forêt. Mon cher Joachim, où en étions-nous donc avant qu'on vienne me déranger? Nous étions sur l'autostrade. Vous aviez la bonté de m'interroger sur cette machine. Comme je vous le disais, l'excavatrice permet de pousser les travaux de 10 mètres par jour. Qu'on se dépêche un peu, 10 mètres par jour. Au siècle où nous sommes. Les autostrades vont moins vite que les automobiles. Dans l'affaire d'une journée, l'excavatrice que voici abat la besogne de 50 bûcherons. Je vois, elle déracine en même temps les arbres et les bûcherons. Dites-moi, mon cher Joachim, vous me permettez de vous appeler par votre petit nom? C'est une faveur à quoi le colonel a bien voulu m'habituer. Nous arriverons bientôt aux abords du massif de Vallart. Ce massif de Vallart, un morceau. Le profil du sol nécessite l'établissement d'un tunnel. Ce tunnel va nous faire perdre beaucoup de temps. Nous nous servons du jumbo, remarquez. Le jumbo? Il ne s'agit pas d'un de nos vieux rythmes de danse si touchants, mais d'un pic électrique sur chariot. Système américain, je présume. Non. L'idée est d'un de nos compatriotes, l'ingénieur Thomas Ortizianet. Comment? Ah! Enfin une bonne nouvelle! Ah! Cet ingénieur, il faut le récompenser. Thomas Ortizianet est en prison. Qu'on le récompense, en prison. Je prends note. Ce qui me plaît, ce qui m'amuse, c'est l'autostrade. J'ai décidé que pour ces débuts, l'autostrade contribuera au transport de quelques centaines d'étudiants. J'en raffole dans les parties vierges du jardin public. Osez dire, général, que le territoire tout entier n'est pas un jardin public. Ah! J'adore le progrès. Ha 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 ha.
Ainsi, je veux que les ouvriers bénéficient soit de garanties formelles, soit de la promesse non moins formelle de ces garanties. Par malheur, nous avons encore des tribus qui vivent à poil. Et nous tous en bloc avec notre drapeau sur la tête et du noir entre les doigts de pied. Eh bien, qu'est-ce que nous sommes? Sinon, une espèce de tribu, ce qui explique que nous ayons besoin de nous faire instruire par des gens plus forts que nous et de leur racheter leur foutu camelot. Même s'il faut faire semblant de coucher avec cette emmangueuse de Marion Morène, afin que les échanges de machines et de ficelles, ça se passe sous les draps. Mais ces humiliants sacrifices, je les offre à la patrie, à la justice et à la liberté. Comment? Tu es encore là, fils de pute? T'es pas à l'hippodrome en train de te faire tuer? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme? Cet animal-là était en train de se farcir les poches avec tout ce qui lui tombait sous la main. Il massacrait les pots de confiture à coups de pistolet, en se servant de la crosse. De pareil, énergumène, dans mon bureau, monsieur. Vraiment, vos policiers s'occupent de quoi? Énergumène, moi et toi. Il disait qu'il était pour la révolution, qu'il allait descendre le colonel. Et moi, quand je tuais le colonel parce que ça me démangeait trop, le comité central a décidé que c'était lui qui se ferait passer pour le colonel. Et ce qui a été réglé, c'est qu'il allait se faire tuer à l'hippodrome à 3 heures. Parce que c'est à 3 heures que la danse doit commencer. Et maintenant, il se prend pour de bon pour le colonel. Il connaît le plan. Il connaît les dépôts d'armes. À cause de lui, la révolution est baisée. Débarrassez-moi de cet homme. Les généraux, les flics, les officiers, je les en mange. Sa tante est blanchisseuse. Votre crapule de colonel, c'est moi qui l'ai tué. Lui, là, il trahit de tous les côtés. Arrêtez-le, bon sang, bon sang. Arrêtez-le, arrêtez-le, arrêtez-le. Général Gondiano. À vos ordres. Vous, Battista, prenez note. Les blindés jusqu'à nouvel ordre resteront au cantonnement. Ainsi que le 3e régiment de ligne. Mettez toutes les pièces en batterie. Les gars de l'escadron, avec leurs chars légers, cerneront le port. Dites-moi, Pasquale. Vous verrez Morelli, Albrieux, toute la bande. Vous connaissez le mot? Justice et liberté. De vrais gamins. Vous leur direz qu'une légère entorse est prévue au programme sous la forme d'une manifestation devant le ministère. Ils se méfieront. Mais comprenez donc. Je veux les mettre le plus possible en un seul tas pour les ramasser. Pour les écraser. Il le faut. Qui vous protégera? Qui vous défendra la liberté? Avec vos yeux, soyez des loups. Qui vous protégera? Qui vous défendra la liberté? Ne restez donc pas là dans mes jambes. Ma chérie. Je ferai le colonel jusqu'au bout. Le bout, nous y arrivons. Ils sont forts, les connais. Quand un truc comme ça est en marche, comment voulez-vous l'arrêter? C'est la mer, c'est la nature. Nous risquons de tous y passer. À présent, fini la chansonnette. Fini. Je prendrai le tyran de la tour de Paris.
besoin que de nos cœurs, que de nos mains. Tous au ministère, tous. Arrêtez. L'événement n'est pas encore mûr. Vous compromettez notre cause. Arrêtez. Ami, amour, ami, merci. Merci pour moi, pour eux, pour nous. Merci pour tous. Il n'y a pas d'exemple que quelqu'un se soit avancé aussi loin dans le sacrifice. Ami, amour, vous êtes grand. Mademoiselle, ne le prenez pas mal. Que voulez-vous? J'éclate de chaleur, j'explose d'intensité. Les femmes couchent avec les hommes, répugnante bizarrerie. Les pouponnières toutefois l'attestent. J'admets plus volontiers que les hommes couchent avec les femmes. Tiens, vous ne piquez pas. Desquels vous vous servez? Des bleus. Moi aussi. Vous aussi? Pour les bras, naturellement. Respirez-moi dessus. Café, cigarette, peut-être une molaire contestable. Est-ce que ça me dégoûte? Une seconde, attendez. Je m'interroge. Non, ça ne me dégoûte pas. Quelque chose vient par là. Et puis par là, une extase, une apothéose. Je suis prise. Enfin, je me décline au féminin. Ah, chorale, chevalier de cœur et de corail. Que ne nous sommes-nous trouvés plus tôt? Les compagnons feront des feux. Nous dormirons sous la rude couverture des bouchers chevalins. Ils gardent les troupeaux de bœufs et de taureaux. Ils vont à cheval sur les plateaux. Les plateaux de la balance la plus juste, le sol de la patrie, le ciel de l'humanité, ce passé que nous n'avons pas eu. Laissez-moi vous le décrire au futur, comme s'il devait être un jour à nous. Mais il est à notre portée, l'avenir, il est là. Que voulons-nous? Nous voulons être justes dans la justice. Nous voulons être libres dans la liberté. Quelle que soit la couleur de sa peau, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, un homme est un homme quand il a la liberté. Qui vous défendra? Qui vous protégera? La liberté. Vos petits meurent de faim. Pourquoi? Parce qu'avec la faim de vos enfants, les patrons fabriquent des dollars. Ils sont là. Eh bien, je me suis collé dans une belle fente. Ne demandez pas la liberté, prenez-la. Et comme vos enfants, c'est la fin. Vive la mort! C'est la fin de votre amour. Général Fradorot, le signal que les troupes rebelles sont entrées dans la ville. Dès qu'ils seront là, tirez dans le tas! Tirez dans le tas! Les voilà! Nous ouvrirons tout grand notre placard! Jamais ils ne trompent, nous le verrons encore dans la tombe! Écrabouillez-les tous! Ouvrez-leur plutôt vos portes! Comment faire? Égorger? Ne discutez pas. Faites ce que je vous dis. Alors qu'on ne tire pas! Arriba las manos! Adelante! Passen! Ustedes son prisioneros, sinvergüenzas! Passen, adelante! Vous ne trimerez plus pour le bonheur des autres! Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? La liberté! Vous ne trimerez plus pour le bonheur des autres! Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? La liberté! Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? La liberté! La liberté! Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces gens-là? La liberté! C'est au colonel de décider. La liberté! Lui seul représente la volonté inébranlable du peuple. La liberté! Les groupes d'assaut vont immédiatement accueillir le sergent Sordoza et tout le peloton. Désigné
pour l'hippodrome. La liberté. Compte-t-il aller aux courses? La liberté. Je veux voir la liberté. Carlan gagner. J'ai eu un mal. Il y a tellement de monde dehors. C'est pire que chez moi quand je reçois. Oh. La liberté. J'ai cru que je n'arriverais jamais. Monsieur Palmas, vous, cher colonel, je croyais que vous ne l'aimiez pas. Qu'importe mes sentiments personnels. Je suis en bon terme avec mon pays. Les légitimes aspirations du peuple et la stabilité financière continuent à trouver dans le colonel Pradorot leur commun dénominateur. Ainsi que dans nos pays, quand la maison est en péril, la femme du patron se change en démon. Et quand le péril s'est enfui, on la retrouve au bras de son mari. C'est ainsi que cela se passe dans nos pays.